Salut à tous, c'est Destroyer, on se retrouve sur GTA Online, toujours sous la neige, cette merveilleuse neige là. Alors on va acheter ensemble une Massacro. Alors j'ai un peu regardé la version courte, je trouve qu'elle est pas terrible. J'en ai fait une en mode histoire, j'ai pas trouvé ça très intéressant, j'ai pas trouvé très joli, donc je vais acheter la classique. Parce que là, la Massacro coûte 385 000 et l'autre ne coûte que 275 000. Donc je n'ai pas intérêt de payer 385 000 pour éventuellement. Hein, si on a un Massacro, là effectivement avec le lumière, c'est vrai que c'est sympa. Mais non, moi je préfère la version classique. Et comme ça, je vais m'en faire une voiture de. Une voiture sympa là. Ah, pour quelle couleur hein. En bleu, tiens. Si je la montre en bleu, on va faire la couleur bleue. Et les contextes unis, préservez la ligne dotée d'une énorme puissance. Le modèle GT de débouché est aussi classique. En britannique, il est possible de l'être. Moteur V8 de 6 litres, puissance 480 chevaux, vitesse maxi 310, 0,137. On se fait une folie. Ça fait longtemps que je n'avais pas acheté une voiture. Et bien, on va aller à la livraison de votre Massacro sera prochainement effectuée à votre garage. Et bien, on va y aller à notre garage. Espérons qu'entre temps la voiture soit livrée. On va essayer de l'améliorer un peu ensemble. Voir un peu ce qu'il y a comme bouclier. Ah, par choc, il me plaît. On va voir quels sont les trucs disponibles pour la Massacro. Pendant qu'on va aller la tuer par des joueurs chiants. Et normalement quand on est rang 24, on a quand même moins de gens qui viennent nous faire gauche à partir du rang 120. On est plus trop emmerdé quand je joue effectivement les petits niveaux avec 50, 30, 40. Les joueurs ont tendance à se taper au faible, en faible. Pour rendre moins élevé, disons, il ira moins d'herbe, il sera trop sur le feu. C'est assez petit. C'est pas bien. Confirmons les deux ans, on va commencer à faire votre garage, les péniches, machin, tout le monde. C'est nickel. On va arriver à l'histoire déjà. En quelle couleur je vais prendre la note par contre. Ah, elle est pas mal, hein. Je trouve qu'elle est plus belle en version comme ça qu'en version course. Et surtout, étant donné que c'est exactement la même. Enfin, les performances sont exactement les mêmes. Vraiment exactement les mêmes. Il y a juste des roues un peu. Des roues un peu spéciales, un peu plus. Exclusive, enfin pas exclusive, mais c'est genre comme chiant, la merde. Des roues spéciales pour la version
course. Entre 275 et 385, je vais être sur le calcul, mais ça fait cher l'euro quand même. Hein. Alors pourquoi est-ce que j'ai pris ce garage là? Bon, un, parce qu'il n'y a pas de nouvelles propriétés. Et deux, parce qu'il est à côté d'un custom. C'est extrêmement pratique. Et pour rien. Non, c'est bien. Voilà. Et voir ce qu'on a. Cette massacre. Ok, alors. On va d'abord s'occuper de la couleur. Problème de trou, allez, ancienne folie. Chrome. Ouais, bof. Classique. Hein. Aston Martin, normalement, c'est vert. Comme ça, Dashcam. Le nocturne, non. En match, non, ça ne doit pas très bien le match, je trouve. Mercenaire, course terrestre, non merci. Je pense qu'il lui aura le mieux, c'est le métallisé. Pas mal comme ça, non? Argent-pierre. Le bleu est pas mal. Hein. Cette couleur elle est déjà prise par un véhicule. Celle-là aussi, je crois, non. Attendez. Non, j'ai changé de couleur. Il n'y a plus de véhicule comme ça. Qu'est-ce que cette couleur? Je vais pas te reprendre ça alors. Laissez-moi réfléchir. Non, je crois qu'il n'y a plus de véhicules qui ont cette couleur-là. Je peux prendre celle-là pour... Le voiture, voilà. Bleu. Le bleu, le voiture. Ah non, j'ai déjà un véhicule cette couleur-là, je crois. Ah non, j'ai un véhicule de cette couleur-là. On va laisser que la peinture d'origine. Ça serait bien. Attendez peut-être. Parce que l'origine c'est quoi? C'est un classique, c'est ça? C'est la bleue classique. Et si on la met la même en... Ça le fait peut-être plus en vrai. Ok, on a l'emblème de proue. Alors, bas de caisse. Aileron. Ouais, c'est plutôt moche. Même très moche. Ça, c'est carrément hideux. J'aime bien les gros spoilers, les gros ailerons, mais enfin, c'est vrai que c'est quand même très moche. Et celui-là, il est carrément quand même.
Regardez bien, c'est celui-là, vous voyez, à cette hauteur-là. Ça aurait été parfait. Ça. Voilà. Transmission, bah, transmission courte, hein. That'll give you a seriously fast shift. Ah, tu m'étonnes, ça me donne un seriously fast shift. Shift. Turbo. Sérieusement, quel est l'intérêt de mettre le turbo alors que mon truc est déjà au max? Et ça coûte 50 000 balles. 50 000 dollars, quoi, sans déconner. That'll push the needle off the meter. Ça va être. On va dire qu'on s'en fout un peu. C'est dommage qu'il puisse pas mettre les fenêtres teintées ou les néons comme. Je crois que le néon c'est que sur PS4. 50 000. Ah, y'en a plus. J'étais à 3 800 000. Hein. Peut-être les calculs. Il y en a encore loin d'avoir tout. Tout amélioré. Alors, par choc, il y a plein de choix, c'est super. Oui. Ça, c'est plutôt moche. Ça fait aspirateur, je trouve. Ouais, bon, ça, c'est les mêmes. Hein. Il y en a juste un qui est peint. Carbone, carbone peint. Ouais. Aileron à l'avant, c'est pas mal aussi. Petit bec qui est à l'avant. Ça c'est moche. Et là l'extracteur. On va bien comme ça. Hein. Châssis. Ok. Son de sécurité. Et là on a. Ah oui, il y a une petite prise d'air au-dessus aussi. Non, je garde le truc. On va pouvoir peindre les arceaux après normalement. Moteur. Je veux dire, sérieusement, là, le truc est pour max. Ça change absolument rien. Je vais pas te... Échappement, bah, y a pas 36 000 choix. Il y a ceux-là, c'est pas mal. C'est exactement les mêmes, hein. Je garde de série explosif, bon, ça c'est. Je sais pas, elle. C'est intéressant. C'est dommage, je trouve ça très beau. D'ailleurs, ça va sûrement mieux avec la version course là. Capot. Carbone. Ouais, pas mal. Grosse aération, et là, l'aération carbone. Qu'est-ce qui est mieux ça? Pas mal aussi, hein. C'est juste creusé quoi. Je vais essayer de serrer. Klaxon. Xénon. Franchement, est-ce que ça a un réel intérêt? Les Xénon. Ouais, ça fait un truc bleuté, c'est sympa quand même, parce que le pilote sur est bleu. Ça c'est bon, plaque. Ah, et ça aussi, don't give up. Shit. Late. Alors. Bleu, ouais, pas mal bleu. C'est pas mal, en fait, on s'en fout, ouais, c'est pas mal. Intérêt. Peinture! Ah, on peut pas changer la peinture des arceaux. Il n'y a pas de couleur secondaire. Ok. Bon, non. Pas de pièces, on a déjà vu. Aileron, elles sont tous plus moches les uns que les autres. Transmission, ok. Turbo, ok. Roue. Type de roue. Alors là, il y a un haut de gamme. Elles sont pas mal, mais j'aime pas trop le. Elles sont belles, j'aime pas trop la couleur. Peut-être comme ça. Parce qu'on voit pas très bien le garage, je pense. Elles sont moches, mais c'est pas vrai, les blanches là. Mettez-moi les blanches là. C'est pas blanc. Je vais acheter les moins chères. Les mettre en blanc et ensuite construire les meilleurs. Pour arriver à la fin de toute.
serait un peu un crime de mettre les roues de le rider sur une toujours barrière. Et là, les roues sont blanches et quand on passe, elles passent au noir. Allez savoir pourquoi. Toutes les roues sont hors de prix en fait. Hein. 4009, 4 mm, on a 4 mm là. 4 mm. Oh là là, regardez pas ça. Oh, le prix de ces lances. C'est extravagant. Peut-être des scrabbles, machin, même si je sais pas. Donc on va acheter les gens à 4000, parce qu'il n'y en a pas à moins. 1000. 4006. Oh, c'est pas bon, c'est pas 4006, on s'en fout pour la couleur. On va les remettre comme nous l'avons mis quand on l'a acheté. Allez, voilà. Alors, c'était suivi. Ouais, bof. Sport, qu'ils ont sport. Ouais. C'est les mêmes gens que sur la GTR, je crois. Ouais. Ça arrive pas mal avec la RH8, je pense. Team 2000. Sauf pour machin truc qui a été gagné par rien. En fait. Ah, pas mal ça. La pomme sur rallye. Et ça. Chambre de ferraille 438. Tout terrain. Non. Seul cœur. Bof. C'est assez moche la petite caisse, je trouve. Le rider. Pas la peine de regarder. Ça sera dans le bien du coup. Des jambes sympas pour cette caisse. Mais trois fois elles sont ces jambes là. Il abuse quand même un peu, il préfère les trucs plus originaux. Sérieusement. On va rester dans le sport, à mon avis, c'est là qu'on trouvera les meilleurs. C'est l'affaire de goût, hein. Le goût et les couleurs, ça se discute pas. Ça y va bien, ça, merci. Ah bah ça. J'ai pas trop pensé à faire donc non. Ça ou pas? Est-ce qu'on prend ça? Tout ça. Allez, on est fou, allez, c'est parti. Accessoires ou ouais, il faut les custom, on s'en fout un peu les custom. À l'épreuve des balles, c'est inévitable. You'd be surprised how many of those we sell. Donc voilà, voilà combien il vous faut à peu près pour améliorer une débauchée, je sais pas quoi là. J'avais 1 800 000, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ça m'a coûté 500 000 en tout. Et 215 000 la bagnole, donc c'est quand même. Ça va, on sort plutôt pas mal. Parce que si j'écoute des trucs teintés là, sans intérêt franchement.
J'ai un bruit, du coup, comme ça, le mec qui est derrière qui me tire dessus, il me mord moins bien. C'est plus difficile pour lui de tirer. Donc, pourquoi pas. Je sais pas, il me prend. Ok. On va voir à quoi elle ressemble, du coup. Ça a de la gueule. Ouais. Elle a vraiment de la gueule. Donc, on va essayer de se foutre dans un endroit sympa. D'ailleurs, on peut même pas. Pas du tout pour la suspension. En fait, se foutre à un endroit sympa pour faire la. Pour faire la. La capture. Autour de la vidéo. Mais là, il fait nuit là. Le 4h du mat, c'est pas idéal. Il y a la main ici, là. Voilà. Il y a de la neige dessus. Est-ce que ça va bien rendre? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a de la neige dessus? Les avions, mais je peux pas les voir. Je crois qu'il y a un hydra, enfin un hydra qui passe. Là, je crois que l'hydra va être de retour bientôt. Avec la mise à jour du braquage. Alors, non, pas statistique. Galerie, oui. Est-ce que la photo est bien? Ou est-ce qu'on voit absolument rien? On voit absolument rien, d'accord. Je vais attendre qu'il fasse jour pour prendre la photo et je vais faire la capture. Moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo de GTA V, de Far Cry ou alors d'un autre jeu éventuellement que je suis en train de. Moi, je vais faire un let's play. Oui, c'était Far Cry. Far Cry, GTA ou. Allez. Salut!